la folie des crossovers urbains bat son plein, puisque après Kia, après Hyundai, après Citroën qui vient de dévoiler son C3 Aircross, eh bien c'est au tour de Seat d'entrer dans la danse avec l'Arona, Arona, A-R-O-N-A, une ville des Canaries, et un véhicule qui sera présenté en septembre au salon de Francfort et commercialisé en novembre en France. Alors l'Arona, c'est quoi? Eh bien c'est le SUV urbain de Seat qui va rivaliser notamment avec chez nous les Renault Captur et Peugeot 2008. Vraiment, les petits SUV urbains comme ça, eh bien c'est ce que tout le monde cherche, c'est ce qui fonctionne, et donc évidemment il est normal qu'un constructeur généraliste comme Seat entre dans la danse. Alors l'Arona, eh bien c'est une Ibiza un petit peu bodybuildé, ça se voit notamment avec ses extensions d'ailes, avec ce bouclier vertical, avec là aussi des extensions en plastique, il est musculeux, il est musclé, c'est une petite voiture mais qui fait qu'elle donne l'impression d'avoir un gabarit plus important. Là en plus on a une version haut de gamme FR qui repose sur des roues de 18 pouces, très jolie roue de 18 pouces d'ailleurs, et pour le reste eh bien je vous laisse apprécier ces lignes et notamment une spécificité chez Seat, ce sont ces lignes de caisse. Ça se généralise sur la TK, le grand frère de l'Arona, et sur cette voiture donc, et c'est très joli, ça dynamise les lignes avec aussi cette petite vitre latérale qui donne l'impression d'une voiture un petit peu plus importante. Et nous voici donc à bord de cette version. Alors là c'est la version TSI 1,5 litre, c'est le moteur 150 chevaux qu'on trouve dans la Golf, moteur à désactivation des cylindres, avec qui s'accouple à une boîte mécanique à 6 rapports. C'est le moment de parler des moteurs puisqu'on y est. Donc l'Arona, elle sera disponible en essence, en diesel. 1 litre TSI 90 chevaux et 115 chevaux. Et 1 litre 6 TDI 95 et 115 chevaux. Voilà, avec soit des boîtes manuelles à 5 rapports ou à 6 rapports, ou alors des boîtes automatiques type DSG à 7 rapports. Alors cet habitacle, eh bien, il est extrêmement sobre. C'est une planche de bord avec constituée de lignes horizontales superposées, écran tactile de 8 pouces, une position de conduite assez naturelle, instinctive, une bonne visibilité périphérique. C'est plutôt de bon augure pour la suite. Alors l'Arona, elle sera dotée de toutes les technologies, Seat insiste bien sur ce point, toutes les technologies de confort et de sécurité disponibles à ce niveau de gamme, que ce soit à la fois régulateur de vitesse adaptatif, surveillance des angles morts des rétroviseurs, etc., etc. Rien ne manquera. Il y aura même la recharge par induction pour les téléphones portables. Alors et le coffre, parce que c'est une voiture, donc 5 places évidemment, une petite familiale, donc c'est un volume de 400 litres, c'est dans la moyenne de la catégorie, c'est pas extraordinaire, surtout que la banquette arrière étant fixe, elle ne s'avance pas, ne se recule pas, donc le volume de coffre n'est pas réellement modulable, si ce n'est évidemment qu'il y a un plancher qui permet qu'on peut abaisser. Alors, j'ai pas encore toute la manip en main, si c'est bon ça marche, donc on peut un petit peu augmenter ce volume de coffre. Encore une fois, c'est 400 litres, ça n'a rien d'extraordinaire dans la catégorie, mais c'est dans la norme, voilà. Notez ce soin de la présentation, avec notamment cette lettre X. Le X, évidemment, c'est la tarte à la crème, c'est vraiment la lettre qui doit aller avec tous les SUV du monde. Donc le X, il signifie, donc, qui évoque l'univers du 4x4 de l'aventure. 1m80, de la place pour les jambes, pour la tête. C'est pas une familiale, encore une fois, c'est une voiture qui mesure 4m15, mais on est plutôt bien installé à bord. 3 places à l'arrière. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'elle est dans les normes, encore une fois, de la catégorie. Premiers essais chez Caradisiaque au mois d'octobre, commercialisation dans le réseau français au mois de novembre. Les tarifs, il est trop tôt encore pour les connaître, ils n'ont pas encore été fixés, mais j'en ai parlé avec des gens de chez Seat qui m'ont confié que, évidemment, ils seraient alignés directement sur ceux de la Renault Captur, de la Peugeot 2008, avec un soin particulier qui sera mis sur le rapport prix-équipement, puisque Seat veut vraiment monter en gamme. Voilà pour ce premier contact avec l'Arona, une voiture plutôt séduisante, mais qui, encore une fois, aura fort à faire, car la catégorie des crossovers urbains, eh bien, elle compte de sacrés numéros. Donc ça va être passionnant, et nous, chez Caradisiaque, eh bien, on va vous parler de toutes ces nouveautés dans les mois qui viennent.